Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 18 août 2024, des Sénégalais s'organisent pour exiger le départ des militaires français et l'expulsion de l'ambassadeur ukrainien au Sénégal. Ça, c'est une incroyable information aujourd'hui. On va vous zoomer. La société civile sénégalaise demande le départ pur et simple. Après, on va vous montrer les vidéos. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, la France prépare les scénarios libyens contre le Mali. Je répète encore. La France est en train de préparer les scénarios libyens contre le Mali. La France est en train de faire des reportages sur Tenzawatin pour montrer que les aides humanitaires doivent arriver là-bas. Que vraiment, que l'armée malienne, ils ont montré des images, ils sont en train de démoraliser, ils sont en train de c'est comme on appelle, ils sont en train de mentir contre l'armée malienne. Ils disent que l'armée malienne est en train de bombarder seulement les civils à Tenzawatin. Qui est sorti à Tenzawatin pour tuer les militaires maliens? Est-ce que c'est des civils? Ils cachent les terroristes. Quand on bombarde les terroristes, ils vont dire que ce sont des civils. La France demande à toutes les puissances d'intervenir à Tenzawatin. Je ne vous cache pas. C'est pour ça que je dis, ceux qui sont à Bamako en train de faire des conneries là-bas, là, ah, nous on veut les militaires, on ne veut pas les premiers ministres. Si vous continuez avec ces conneries, nous allons perdre Tenzawatin. Je ne vous cache pas. Seule l'union peut sauver le Mali là où nous sommes aujourd'hui. Cette affaire de Tenzawatin devient très sérieuse. Je vais vous montrer les images. Ils ont fait la même chose à Benghazi. Ils ont dit, ah, Kadhafi veut aller attaquer Benghazi, tuer les civils. Alors qu'eux-mêmes, ils ont envoyé les terroristes à Benghazi. Ils sont venus à Benghazi, ils ont tué Kadhafi même. Ils veulent faire, l'OTAN veut intervenir à Tenzawatin, soi-disant qu'ils veulent sauver les civils. Parce que ça chauffe à Bamako. C'est pour ça que je dis au président Assimi Goïta, arrêtez avec cette histoire de querelles internes. Un chef doit unir son peuple. Mais dire à certains peuples, manipuler certains peuples pour leur dire que nous sommes avec les militaires seulement, nous ne sommes pas avec les civils, alors que le coup d'état du Mali est différent du coup d'état du Burkina Faso, le coup d'état du Mali est différent du coup d'état du Niger. S'il y a une insurrection populaire, c'est le MCRFP qui s'est levé pendant plusieurs mois pour demander le départ. Le peuple est sorti dans les rues, les images sont là, les archives sont là, personne ne peut nier cela. Et vous, vous êtes venu le jour même que vous avez fait le coup d'état contre le président Ibeka. C'est le peuple qui vous a accompagné à travers M5-RFP. Et aujourd'hui, vous êtes en train de les envoyer tous en prison et en train de détourner le combat. Pendant que les terroristes sont en train d'annexer Tenzawatin, monsieur le président, son excellence Assimi Goïta, vous jouez avec le feu. L'histoire jugera chacun de ses actes. C'est un pouvoir civilo-militaire. Ce n'est pas un pouvoir militaire, c'est un pouvoir civilo-militaire. Le jour du coup d'état, on est tous sortis dans les rues. On vous a accompagné pour aller prendre le président dans sa maison. Ce ne sont pas... Les images sont là. En Iran, les gardiens de la révolution, c'est avec eux que le pays est en train d'avancer aujourd'hui. Tu ne peux pas gagner une coupe avec une équipe et après, pendant la commémoration, tu appelles ton anniversaire. Voilà ce qu'Assimi est en train de faire. Et c'est très grave. Donc, on va partir avec le Sénégal rapidement. Voilà ce qui se passe. On a appris que bientôt, les pipelines entre Bénin et le Niger, tout vient de démarrer. Donc, le Niger va commencer à faire beaucoup d'argent. On dit bravo. Merci, merci le Tout-Puissant Allah. Donc, écoutons ce qui se passe au Sénégal. Inch'Allah. Une protestation annoncée, mais dès lundi, Inch'Allah, nous allons faire une protestation devant l'ambassade de l'Ukraine. Lundi, Inch'Allah, nous, la plateforme pour le retrait des bases militaires françaises au Sénégal, nous allons faire une protestation devant l'Ukraine. Ce que nous faisons, nous allons faire et nous allons faire une protestation devant l'ambassade de l'Ukraine. Ce que nous l'Ukraine n'a ni les moyens financiers, ni la logistique de fournir des renseignements aux groupes terroristes. C'est impossible. Ce que nous disons pour moi, la puissance occidentale, c'est ce qui est en train de nous dire. La France, c'est ce qui est en train de fournir des renseignements, ce qui est le groupe djihadiste, pour nous attaquer le Mali. Si notre premier ministre, c'est Ousmane Sonko, nous avons entendu, c'est ce qui est en train de faire, envoyer des troupes,
pour nous djappali Mali pour nous xex depuis 3 mois amul dara lu ci djem pire sunu biir deuk ñu fi accueillir ab ambassade bo xamni mom da fay attaquer sunu mbokk malien yi té gisunu ben réponse bu radical bu responsable bu sunu autorité def à part convoquer l'ambassadeur pour des demandes d'explication. Ñun li ñu bëgg tay moy ki nga xamni moy l'ambassadeur de l'Ukraine bu nek Sénégal ñu expulser ko sunu territoire parce que c'est inconcevable au Sénégal que la diplomatie ukraine de servir du Sénégal pour apporter un soutien bo xamni c'est fantoche ndax japp nañ France moko def bo xamni day attaquer sunu mbokk malien yi nga xamni ño bokk lepp ño bokk histoire ño bokk culture té lepp moñu bolé en tant que des panafricanistes mënu ñu ko considérer té ñu. Donc vous avez tous vu. C'est pourquoi moi j'ai dit à mes frères et sœurs, pour l'affaire de Ousmane Sonko et puis Bassirou Diomaye Faye, ne soyons pas précis. Vous voyez aujourd'hui c'est le peuple sénégalais qui s'élève. Ne disons rien. L'État là, c'est Dieu qui fait notre palabre aujourd'hui. On avait déjà oublié l'affaire d'Ukraine. Aujourd'hui les Sénégalais s'organisent pour demander le départ, l'expulsion de l'ambassadeur ukrainien à Dakar. Vous voyez? Donc, soyons patients. Les choses vont changer, Inch'Allah. Donc, vraiment, nous disons bravo au peuple sénégalais. Le peuple vaillant du Sénégal, il vient de demander, et voilà les écrits. Voilà les écrits qu'ils ont mis ici, que je vais aussi lire ça là. Voilà. Donc, voilà ce qui est écrit ici. Voilà, on va lire ça tout de suite. Des Sénégalais s'organisent pour exiger le départ des militaires français et l'expulsion de l'ambassadeur. Une plateforme de lutte contre la présence militaire française a été lancée au Sénégal. Le Front pour le retrait des bases militaires françaises, réunissant plusieurs organisations de la société civile sénégalaise, a tenu une conférence de presse institutionnelle le 16 août. Les militaires, les bases militaires étrangères présentes sur notre territoire depuis la colonisation, c'est l'une des expressions les plus manifestes du néocolonialisme occidental dans nos États et porte atteinte à notre souveraineté, a précisé l'organisation dans un communiqué. La plateforme poursuit l'objectif de faire partir des bases françaises et exiger des autorités une prise de responsabilité en ce sens pour une rupture effective. La plateforme a prévu des protestes le 19 août devant la mission diplomatique ukrainienne au Sénégal pour exiger l'expulsion immédiate de l'ambassadeur. Bravo, bravo. Les voilà ici. Celui qui était en train de parler, c'est lui. Voilà. Bravo, 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 gars. Nous sommes avec vous. Voilà les choses, voilà les bonnes nouvelles. Maintenant, allons-y, le cas du Mali. Je vous ai dit, voilà ce que la France prépare. Aujourd'hui, la France appelle les pays de l'OTAN pour intervenir à Tenzawatel. Écoutons ce qui se passe. Après, on va décortiquer. Voilà. Voilà. Attendez là. Je vous montre tout de suite. Ils sont en train de montrer les images. Ils sont en train de faire des montages. La France dit que c'est l'armée malienne. Que l'armée malienne est en train de bombarder des civils à Tenzawatel. Que vraiment, qu'il faut trouver une solution. La solution, c'est quoi? La même chose qu'ils ont fait à Kadhafi en 2011. Quand ils ont armé eux-mêmes les terroristes et que Kadhafi les bombardait à Benghazi, ils ont dit que ce sont des civils qui sont visés, qu'ils vont protéger les civils. C'est à travers ça qu'ils ont tué Kadhafi. Ces gens n'ont pas... Ces gens sont imprévisibles. Celui qui va s'asseoir avec sa sale cravate là pour dire non, avec des calculs là, non, c'est pas possible, hein? Non, on a la Russie, hein? Non, ils n'osent pas venir. La Russie est en Syrie, l'OTAN est en Syrie. Ils ont joué les mêmes jeux. Si vous croisez et ouvrez vos bouches là, nous allons perdre Tenzawatel. C'est pas mon souhait. Voilà le plan qui est là. Regardons. Il montre les gens en train de fuir à Tenzawatel. Ouais, ils font des interviews avec des individus qui disent des choses vraiment malheureuses contre l'armée malienne. Ils sont en train de dire du n'importe quoi contre l'armée malienne. Vous voyez? Donc, c'est une façon d'annexer Tenzawatel. Si on ne fait pas vite pour récupérer Tenzawatel, ils vont aller s'asseoir là-bas. Ils ont des espions à Tenzawatel. Pour légaliser la prise de Tenzawatel, ils vont commencer à montrer des images. Pour montrer, vous voyez, ils sont en train de faire l'interview avec des individus. Je préfère,
Je ne vais pas monter. C'est-à-dire, j'ai diminué le volume pour qu'on n'entende pas. Je vous montre juste les images. Voilà. Ils sont en train de prendre les gens un à un. Et les gens disent, ah, vraiment, il faut des aides. On a besoin d'aide. Donc, ils veulent manipuler la population de Tenzawatène. Le Mali doit faire le plus vite possible de récupérer Tenzawatène avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont fait la même chose en Libye. Ils sont en Syrie. Les Russes sont en Syrie. L'OTAN est en Syrie. Les Américains ont une base en Syrie. Et la Russie n'ose pas. S'ils viennent s'installer à Tenzawatène, personne ne peut les chasser là-bas. Je répète. Si jamais ces gens viennent s'installer à Tenzawatène, ça va être très difficile pour nous. Parce que l'Algérie va rentrer dans les jeux avec eux. D'autre part, l'Algérie ne veut pas l'OTAN à sa frontière. Mais est-ce que dans ces cas, ils ne vont pas négocier pour donner ça aux séparatistes? Peut-être qu'ils peuvent faire des deals. Sinon, en général, l'Algérie n'aime pas les bases militaires à sa frontière. Mais l'Algérie peut les négocier pour donner ça aux séparatistes. Parce que l'Algérie aussi ne veut pas que cette guerre finisse. On ne sait même pas ce que l'Algérie veut. S'il y a la stabilité, je pense que ça doit arranger l'Algérie. Mais je ne sais pas l'Algérie a quel intérêt à ce que ces pays soient déstabilisés comme ça. Si c'est déstabilisé, on est en frontière avec l'Algérie. Ça peut les affecter d'un moment à un autre. Blaise Compaoré a hébergé les terroristes. Le capitaine a dit les retombées. Voilà les retombées aujourd'hui. Donc l'Algérie doit mesurer tout ça là. Donc voilà entre autres. Maintenant allons-y au Bénin. Au Bénin, il y a de bonnes nouvelles. Vraiment, je vais vous laisser écouter. Voilà. La reprise du char. Voilà. Pipeline bénin-Niger vers la reprise du chargement du pétrole brut nigérien à Semipoudji au Bénin. Un navire est arrivé dans les eaux béninoises pour charger 1 million de barils du pétrole nigérien. Madame Actu vous en parle. Bonjour. Nous sommes le dimanche 18 août 2024. Une bonne nouvelle pour le pipeline pétrolier construit entre le Bénin et le Niger. Le vendredi 16 août 2024, un navire baptisé Raem et battant pavillon les derniers, voilà, est arrivé dans la baie de Cotonou pour relancer les opérations de chargement du pétrole brut nigérien à partir du Bénin. Cette reprise fait suite à la normalisation des relations entre le Niger et le Bénin. Voilà. Dieu merci. Que Dieu bénisse le Niger. Voilà une bonne nouvelle. Le Niger va commencer à faire de l'argent maintenant. Ils avaient fait des sabotages, mais aujourd'hui, Dieu merci, les Chinois vraiment ont bien négocié avec le Bénin et les choses bougent bien maintenant. Donc, mes chers amis, c'était ça entre autres. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.